Bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20h30, heure de Paris. Nous sommes en direct, mes amis. Que Dieu soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'évangile qui nous a franchis. Seigneur, nous te bénissons. Au nom Seigneur, continue nous ce soir dans tout ce que nous allons échanger en ton nom. Nous prions, Père, de gloire. Amen. Voilà, mes amis, sans plus tarder, nous allons prendre deux pierres, chapitre premier, le verset 16. Alors, qu'est-ce que Pierre nous dit par l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit nous dit par Pierre, qui était un homme fidèle à son maître? Car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà, car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Qu'est-ce que Pierre voulait dire ici et euh, ce soir, je vais partager euh, avec vous sur euh, les traditions des hommes. Les traditions des hommes. Et euh, l'apôtre Pierre, ici, euh, s'adresse à des personnes bien précises. Et surtout, il était déjà euh, d'un certain âge. Et il savait également que son départ était imminent, c'est-à-dire euh, sa mort. Le Seigneur le lui avait annoncé. Et il dit au verset 15, Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc nous avons ici affaire à quelqu'un qui pressentait sa mort future et qui, n'est-ce pas, euh, avait vraiment à cœur d'avertir les chrétiens sur les dangers qui les guettaient, qui les menaçaient. Et il se présente, il déclare que il n'a pas eu à suivre des fables composées avec artifice. Qu'est-ce que Pierre voulait dire par fables composées avec artifice alors fable ici euh, euh, signifie aussi fiction, invention et euh, tout simplement ou encore une affabulation. Et euh, alors euh, composé avec artifice ici, Paul, Pierre faisait allusion aux euh, sophisos, c'est-à-dire aux sophistes. Les sophistes étaient des théologiens grecs ou encore des débatteurs. Et euh, qui maîtrisait la la rhétorique, l'art de parler, l'art oratoire, c'est-à-dire l'argumentation, euh, euh, l'éthos et le euh, et, euh, et comment dire euh, le pathos. Voilà. Donc euh, l'éthos, le pathos et l'argumentation. L'argumentation, bien sûr, c'est euh, euh, c'est euh, le discours, tout ça et euh, le logos. Le pathos, euh, ce qui faisait appel à tout ce qui était sentiment, émotion, euh, c'est-à-dire les, les, les sophistes pouvaient euh, pleurer devant leur euh, auditoire. Hein, et euh, en pleurant, bah, ils faisaient pleurer les gens. Ils n'étaient pas du tout chrétiens. Et euh, donc ça, c'est le pathos. Euh, le pathos fait appel aux émotions, aux sentiments. Et l'éthos... C'est l'apparence, donc euh, ils soignaient beaucoup leur apparence extérieure, leur apparence physique. Donc, euh, par exemple, ils s'habillaient en soutane comme les prêtres, certains prêtres, comme les prêtres, comme certains pasteurs qui s'habillent en costume et cravate, donc qui mettent l'accent sur les apparences et euh, qui soignent complètement leur apparence en s'habillant d'une certaine manière pour bien sûr euh, épater euh, l'auditoire. Donc, les sophistes utiliser le sophisme donc le sophisme c'était quoi c'est tout simplement et euh, et euh, de la manipulation et euh, des arguments complètement charnels et euh, tout ça et euh, voilà donc et euh, et là pierre dit qu'il n'était pas comme les sophistes parce que les sophistes pouvaient parler euh, parler des cho certaines choses qui n'avaient pas eux-mêmes expérimentés et euh, alors que les disciples du Seigneur, les apôtres du Seigneur, notamment Pierre, parlaient des choses qu'ils connaissaient, ils parlaient du Dieu qui s'était révélé à eux et euh, donc là il dit clairement que l'évangile qu'il a annoncé n'a rien à voir avec les sophistes, c'est-à-dire des gens qui avaient euh, qui, qui se basaient sur les inventions, sur les les, les illusions. Mais son évangile était basé sur une rencontre qu'il avait eu à faire avec le Dieu Tout Puissant. Et euh, il a vu ce Dieu à l'œuvre, il a entendu ce Dieu à l'œuvre. D'ailleurs, il le dit lui même au verset dix sept qu'il a entendu la voix du milieu de la gloire magnifique, n'est-ce pas? Donc il ne prêchait pas quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il ne prêchait pas à un Dieu qui ne s'était pas révélé à lui. Et donc, il y a deux types de prédicateurs. Vous avez des sophistes, des théologiens, ou simplement des gens qui n'ont jamais, pas forcément, ils ne sont pas forcément théologiens euh, dans le sens où ils n'ont pas été dans une école théologique, mais ils sont quand même sophistes, c'est-à-dire ils parlent de choses qu'ils n'ont pas expérimentées, ils parlent, ils vont prêcher sur Dieu alors qu'il ne s'est pas révélé à eux. Ils parlent de Jésus-Christ alors qu'ils n'ont jamais, euh, ils n'ont jamais expérimenté, ils ne l'ont jamais entendu, ils n'ont pas été appelés par le Seigneur. Ils sont tout simplement son fils, donc ils vont parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Et là, justement, euh, Pierre dit que lui, par contre, il, euh, avait reçu un appel authentique du Seigneur. Il avait entendu la voix du Seigneur. Il avait vu le Seigneur à l'œuvre. Et au verset 18, il dit :« Et nous entendîmes cette voix envoyée du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc, voyez. Et donc, Pierre parle, parle des choses qu'il connaît. Pierre parlait des choses qu'il connaissait. Il parlait du Seigneur parce qu'il l'avait véritablement rencontré. Alors, les sophistes, il y en a eu plusieurs. Et, et pour votre information. Beaucoup des sophistes, c'est-à-dire des théologiens grecs, sont à la base, malheureusement, avec leurs enseignements, leurs doctrines, du christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce que nous allons justement euh, voir. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, nous allons lire le verset 9. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Qu'est-ce qu'il dit et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus Christ donne un ordre précis à ses disciples. Il dit clairement que nous ne devons pas appeler quelqu'un notre Père. Car il y a un seul Père qui est dans les cieux. Donc, bien sûr, il ne parle pas des Pères biologiques. Il est ici, il est question du Père céleste, du Père spirituel. Il n'y en a qu'un. Et euh, bizarrement, la plupart des doctrines qui sont enseignées, observées, pratiquées par euh, des chrétiens dans le christianisme tel qu'on qu le connaît, la plupart de ces doctrines ont été, n'est-ce pas, développées, enseignées par des personnes appelées pères de l'Église. Et nous allons rapidement voir quelques-uns d'entre euh, d'entre elles, hein, d'entre ces personnes. Nous avons premièrement ici Ignace d'Antioche. Donc vous pouvez le lire sur votre écran d'ordinateur. Alors Ignace d'Antioche a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Ignace d'Antioche disait Ignace d'Antioche, donc né vers 35 hein, dans la province de, de Syrie, hein, mort à Rome. En martyr, probablement en 107 après Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Et euh, qu'est-ce qu'il disait En fait, Ignace d'Antioche est le premier dans l'histoire de l'Église à prendre l'initiative d'un chef unique dans l'Église. L'origine de la hiérarchie moderne du pasteur et de l'Église, mettant le pasteur comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, donc, cette origine-là, l'origine euh, origine de, de cette doctrine, de ce fonctionnement vient d'Ignace d'Antioche. Selon Ignace, l'évêque a la puissance, à la puissance ultime et devrait être obéi absolument. Tous suivent l'évêque comme Jésus-Christ suit le Père, disait Ignace d'Antioche. Personne ne doit faire quoi que ce soit dans l'église sans l'évêque. Là où est l'évêque apparaît Là où est l'évêque apparaît, là est le peuple ou encore l'Église. L'évêque tient la place de Dieu tandis que les prêtres tiennent la, tiennent la place des douze apôtres. Voilà ce que Ignace enseignait. Donc vous, vous comprendrez que son enseignement était bien sûr en totale opposition hein, euh, avec l'enseignement hein, de, de Yeshua, notre maître. Vous voyez donc, euh, ignace d'Antioche, bien sûr, euh, a écrit plusieurs euh, épîtres qui sont euh, téléchargeables hein, sur euh, internet. et euh, voilà, donc, il a mis en place ce qu'on appelle le sacerdotalisme, c'est-à-dire euh, la médiation humaine. voilà, quand des pasteurs, par exemple, disent aux chrétiens qu'ils euh, doivent aller les voir, pour qu'ils prient pour eux qu'ils exposent leurs problèmes au seigneur, tout ça quand des pasteurs deviennent des médiateurs entre Dieu et le peuple et les chrétiens eh ben cette mes amis euh, doctrine vient d'Ignace d'Antioche. donc ça veut dire que ça existe depuis 2000 mille ans c'est pas d'aujourd'hui et euh, nous sommes euh, au premier siècle toujours hein, avec clément de Rome hein, Clément de Rome qu'est ce qu'il a fait clément de Rome et le premier à utiliser le terme laïque, Clément de Rome était aussi un père de, de, de l'Église est hein, considéré comme un père de l'Église, ce qu'on appelle les pères apostoliques. Et euh, donc il disait clairement que le peuple est laïque. Hein, donc euh, voilà, alors que le Seigneur Jésus-Christ a brisé justement le mur de séparation entre les prêtres et le peuple, et il a fait de tous les chrétiens des prêtres, nous dit la Bible. Et pourtant Clément de Rome, qui était aussi pour la suprématie de euh, l'évêque de Rome, c'est-à-dire la papauté, il a utilisé pour la première fois le terme laïque. Donc à chaque fois que vous entendrez parler de ce terme-là, eh celui qui l'a introduit dans le christianisme, c'est Clément de Rome. Donc euh, il continua à enseigner dès la fin du premier siècle sur la succession apostolique, l'épiscopat. La papauté, la hiérarchie catholique, la sainte Trinité, le salut par la foi et les œuvres, et le jugement immédiat, immédiat pardon, après la mort. Donc, certaines choses que ces pères de l'Église enseignaient n'étaient pas mauvaises, mais malheureusement, en grande partie, euh, ils sont euh, responsables de la euh, paganisation euh, du christianisme, ou encore euh, de la plupart de nos Églises aujourd'hui. Et euh, nous avons Martion. Euh, qui a vécu euh, euh, au 1er siècle également et qui est né au 2e siècle, hein, donc pardon, qui est mort au 2e siècle, donc il est mort vers 160 après Jésus-Christ. Alors pour votre information, Marcion était, euh, selon les historiens, euh, disciple de Simon le magicien euh, dont, il est, euh, dont les Écritures parlent dans Actes chapitre 8. Et qu'est-ce que Marcion enseignait, d'après Marcion, le dieu hébreu du Tanakh le Dieu de la loi est un Dieu différent, un Dieu de colère, inspiré de démiurges, divinités païennes, égyptiennes et grecques, séparé et secondaires par rapport au Dieu de miséricorde et d'amour du Nouveau Testament, selon lui. Donc cette croyance est proche du mouvement, euh, du mouvement agnostique chrétien, fortement dualiste dans sa conception des Écritures d'un côté un dieu supérieur spirituel et bon et de l'autre un dieu inférieur matériel et mauvais voilà et pour votre information également euh, Marcion est le premier à avoir utilisé les termes ancien testament et nouveau testament alors qu'il n'y a pas d'ancien testament et de nouveau testament parce que s'il y a un ancien testament ça voudrait, ça voudrait dire que il euh, y, a, y a eu un Testateur, donc, euh, et, euh, voilà. Et, euh, or, pour que le testament, pour qu'un testament soit validé, il faut que la mort du testateur soit validée, nous dit Hébreu chapitre euh, 9, je crois, verset 16, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et donc, il y a la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Et la Nouvelle Alliance est aussi un testament, donc appelé le testament de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est Martion qui a inventé les expressions, donc les termes Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc, vous vous rendez compte, mes amis, ces pères de l'Église, ces gens, ont quand même introduit des choses dans le christianisme. En fait, ce sont eux qui ont façonné le christianisme tel qu'on le connaît. Alors, vous avez un autre père de l'Église, selon eux, parce que moi, j'ai qu'un père spirituel, c'est Yeshua, notre maître. Euh, C'est Tertullien qui est un des pères de l'église aussi, né entre 150 et 160 à Carthage, c'est-à-dire à Tunis, à, à, en, à, à, en Tunisie. Ouais. Donc euh, à Carthage, Carthage est une ville euh, pas très loin de tu Tunis. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'il racontait Donc il est né entre 150 et 160 et mort euh, vers 225 à Carthage. Donc c'était un Africain. Il pose, donc il, est, il a posé les fondements de la doctrine de la Trinité. Il est le premier à utiliser le terme clergé, donc souvent pontife, hein, donc souverain pontife. Donc vous voyez, le premier à utiliser le terme laïque, c'était euh, Clément de Rome. Et le premier à utiliser le terme clergé, eh c'est lui, Tertullien, hein, euh, qui est né à Carthage, donc en, en Tunisie. Donc... Euh, et euh, voilà, donc il a posé les fondements de la doctrine de la Trinité, pareil. Donc, euh, et euh, il va utiliser ce terme-là, et euh, qu'il a emprunté hein, euh, à Théophile d'Antioche. En fait, Théophile d'Antioche est le premier homme, donc il est aussi considéré comme un père de l'Église. Il est le premier homme à utiliser le terme Trinité, un mot qui n'existe nulle part dans les Écritures. Voilà. Donc, de Genèse à Apocalypse, personne ne peut me dire en face. Que le mot Trinité se trouve dans la Bible. Voilà. C'est un mot inventé par les pères de l'Église. Un mot, mes amis, qui n'a aucun fondement biblique. Voilà. Donc, vous avez ensuite Cyprien, euh, donc, de Carthage, et, euh, qui est né vers 200 et mort à martyr le 14 septembre 258. Et qu'est-ce que Cyprien de Carthage a fait? Ben, il est le premier à mentionner la pratique de soutenir financièrement le clergé avec la dîme. Donc, si aujourd'hui, les chrétiens payent la dîme à leur pasteur, c'est un pot qui est déjà aboli par le Seigneur Yeshua. Et euh, ben, c'est lui qui a mis en place cette doctrine complètement euh, mosaïque hein, et, et déformée, et malheureusement, par lui. Et c'est lui qui a mis cette pratique en, à, à l'heure du jour. Ben, c'est c'est Cyprien de Carthage. Vous vous rendez compte, mes amis il a mis cette, il a mis en place cette doctrine dans l'histoire du christianisme et, euh, c est, c est, et euh, donc ça date de, 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 de quand de 230 par là à peu près après Jésus-Christ. Donc euh, ça fait plus de 1800 ans que cette pratique a été mise en place. Donc vous comprenez que mes amis, pour sortir les gens de là, il faut vraiment qu'ils aient une illumination de la part du Seigneur. Voilà, donc il est à l'origine de la doctrine de la couverture spirituelle. Donc à chaque fois que vous entendez un pasteur dire qu'il est votre couverture spirituelle, à chaque fois que vous entendez des pasteurs dire qu'ils euh, qu cherchent un père spirituel qui sera euh, leur couverture spirituelle, eh bien, celui qui a mis cela en place, c'est aussi Cyprien de Carthage. Il a utilisé le terme de sacerdoce pour parler du service des évêques et des prêtres. Le clergé et inventa le sacerdotalisme, voilà la médiation humaine. C'est lui qui l'a inventé. Voilà. Donc voyez, donc pour lui, ben, le clergé euh, avait la charge euh, d'enseigner, de diriger et le peuple, appelé laïque par euh, Clément de Rome, devait subir et suivre bêtement euh, les dirigeants. Cyprien de Carthage est aussi le premier à utiliser le mot messe. Donc à chaque fois que vous entendez parler de, de la messe, messe catholique, c'est-à-dire la mort perpétuelle, la mort perpétuelle de Jésus-Christ, c'est ça la messe en fait. La messe catholique trouve et euh, atteint son paroxysme lorsque le prêtre soulève l'hostie hein, vers le ciel. Euh, voilà, donc c'est là que ce bout de pain, selon euh, euh, Cyprien, devient réellement, physiquement, le corps de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a inventé cela. Donc c'est lui qui est le père de la messe catholique, Cyprien de Carthage. Pourtant il est considéré comme un père de l'Église. Vous avez ensuite Athanase. Athanase qui est né vers 295 et mort le 2 mai 373. Athanase est, était un évêque donc, euh, qui est né à Alexandrie donc en Égypte. Et vous savez que chez les Égyptiens il euh, y avait plusieurs divinités, notamment une triade ou une trinité. C'est-à-dire euh, trois divinités principales hein, du nom de euh, Horus, Isis et Horus. Et euh, donc Athanase était fortement influencé par cette euh, doctrine, cette triade mystique diabolique. Et qu'est-ce qu'il va faire ben, Une fois adhéré au christianisme, il va, eh bien, euh, développer hein, la Trinité. Et il va se dire qu'il va se confronter à l'hérésie, hein, à l'hérésie arienne qui enseignait que, parce qu'Arius, un autre prêtre d'Alexandrie, disait que Jésus-Christ était un être créé. Et donc il y a eu une confrontation entre Athanase et Arius. Athanase disait que non, Jésus-Christ est le deuxième Dieu. Hein, donc euh, il est Dieu, mais pas au même titre que le Père. Alors il y a eu une discussion entre les deux. Il y en a un qui soutenait que Jésus-Christ était Dieu, mais le deux, un deuxième Dieu. Et euh, il y en a un qui soutenait cela et un autre qui disait, notamment Arius, que Jésus-Christ était un être créé. Donc il y a eu cette discussion forte, une grande discussion, qui a poussé l'empereur romain Constantin Ier de convoquer pour la première fois la, une réunion écuménique qu'on appelle, qu appelle le concile, hein, donc euh, en, en 325 à Nicée et euh, et c'est là qu'il va, qu va développer justement le concept sur lequel euh, Dieu est, euh, est euh, en trois personnes distinctes. Donc Athanase va utiliser pour la première fois euh, le mot euh, latin persona. Persona chez les Latins, chez les Romains était euh, comment dire C'était des masques. Hein, les masques. On, en fait, le mot masque en latin, c'est persona. Et, euh, et alors, chez les Romains, justement, leurs acteurs portaient des masques pour jouer des rôles, n'est-ce pas Et euh, eh bien, Athanase va dire pour la première fois que Dieu est une personne. Mes amis, il n'y a aucun verset, je dis bien, il n'y a aucun verset dans les Écritures de Genèse à Apocalypse qui dit que Dieu est une personne. Il y a aucun verset qui le dit. Il n'y a aucun verset qui dit que le Saint Esprit est une personne. Il n'y en a aucun, aucun. Pourtant, Athanase, c'est-à-dire trois cents ans après Jésus-Christ, trois siècles après Jésus-Christ, Athanase va dire que Dieu est une personne composée de trois personnes distinctes, mes amis. Et il va mettre en place, euh, mes amis, ce qu'on appelle la confession de foi d'Athanase ou encore le symbole d'Athanase. Et voilà ce symbole. Voilà donc euh, une confusion comme pas possible avec cette pyramide donc déjà Dieu n'est pas une pyramide hein. donc euh, on sait ce que c'est une pyramide hein. donc voilà c'est complètement euh, babylone maçonnique donc euh, ils ont présenté au monde un dieu maçon, un dieu mystique d'ailleurs ils disent que c'est un tri la trinité est un mystère <laughs> mes amis attendez il n'y a aucun verset je dis bien. Il n'y a aucun verset qui dit que la Trinité est un mystère. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun. Les Écritures parlent de plusieurs mystères et aucun verset ne dit que la Trinité est un mystère. Voilà. Et euh, parce que Dieu s'est révélé. Donc vous voyez, mes amis, il y a tellement euh, de pratiques qui sont observées aujourd'hui par des chrétiens, véhiculés, prêchés, enseignées, que beaucoup se disent, mais Seigneur, mais ils ont trouvé ça dans quel Bible. Eh bien, la plupart de ces pères de l'Église, il y en a plusieurs, hein, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait comme Grégoire le Grand, par exemple. La plupart de ces pères de l'Église étaient euh, d'origine latine ou grecque. C'était, mes amis, euh, la plupart étaient aussi des sophistes, hein, c'est-à-dire des débatteurs. Ils utilisaient l'art oratoire et, euh, pour épater les gens. Ils savaient parler. C'était des ils étaient très très éloquents et euh, quand ils ont adhéré au christianisme, ils n'ont pas abandonné, certes la plupart n'ont pas abandonné la philosophie grecque, ils n'ont pas abandonné, mes amis, euh, les 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 comment dire leurs coutumes et traditions, des traditions païennes, et ils les ont simplement, mes amis, incorporés dans le christianisme. Et ils ont donné naissance officiellement à cette grande église babylonisée, paganisée, au concile de Nicée, de manière officielle. Et euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Pierre nous dit, on l'a lu, qu'il ne prêche pas l'avènement du Seigneur, il ne parle pas du Seigneur, parce qu'il a suivi des fables conçues, composées de manière artificieuse. Mais il a parlé de Jésus-Christ qu'il a entendu, qu'il a vu. Et ces pères de l'Église, mes amis, euh, ont beaucoup plus euh, raisonné parce que c'est ça le sophisme, hein. c'est du raisonnement, tout simplement. Voilà, c'est du raisonnement. Et euh, voilà, donc et euh, et euh, les sophistes, mes amis, euh, développaient beaucoup de raisonnements faux. Et ces raisonnements avaient l'apparence de la logique. Vous voyez Mais c'était tout simplement des raisonnements. Et vous savez, Paul a eu à beaucoup dénoncé euh, la philosophie grecque. Il parlait des philosophes. Il disait dans 1 Corinthiens 1, par exemple, que les Grecs, euh, les Juifs cherchaient des miracles et les Grecs la sagesse. Et il dit dans 1 Corinthiens 1, où est le sage de ce siècle où est, le, où est le disputeur voyez Et puisque le monde... Avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu et il a plu à Dieu dans sa faiblesse, n'est-ce pas, de sauver le monde par la folie de la croix. Donc vous voyez, et, et Paul dit également dans 1 Corinthiens 2, il dit Et ma parole et ma puissance ne reposent pas hein, sur la, euh, la, 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 des discours persuasifs, parce que le sophiste, les sophistes étaient des discoureurs. Ils aimaient, mes amis, les discours, mais il n'y avait aucune puissance derrière leurs discours, pas de vie qui pouvait transformer les gens. Et aujourd'hui, les sophistes modernes, ce sont ces théologiens, bien parmi ces théologiens, des gens qui sont sincères, attention, mais malheureusement, la théologie, c'est quoi C'est l'étude de Dieu. Dieu ne s'étudie pas. Dieu ne peut pas être étudié. Dieu se révèle. Voilà. Maintenant, méditer la parole, oui, travailler la parole, méditer la parole, c'est un pas de problème. Mais de là, à aller étudier Dieu alors que Dieu se révèle, de Genèse à Apocalypse, le Seigneur se révèle à ses enfants. Voilà. Donc voyez, donc c est, c est, Jésus Christ dit personne ne connaît le Père, c'est le Fils, ni le, le Fils, c'est le Père. Et le Fils se révèle le Père. Donc voyez bien que Dieu se révèle. Dieu a toujours révélé sa, sa gloire aux gens qu'il a appelés. Voilà. Donc, ce n'était pas forcément des gens qui étaient dans une école biblique pour apprendre comment Dieu fonctionne. C'est Dieu qui est, venu, est ce qui est venu les appeler. Et ils ont prêché l'évangile avec la puissance qui apportait la vie. La puissance de délivrance, de guérison, des miracles. Ce n'étaient pas des débatteurs. Ce n'étaient pas des sophistes. Vous voyez? Et euh, ils n'étaient pas là pour épater les gens. C'étaient des gens qui, dans leur simplicité, apportaient la vie. Il y avait la vie. Et maintenant, Pierre nous dit justement qu'il n'a pas suivi hein, euh, les sophistes. Littéralement, hein, il n'était pas, il, il pas un sophiste parce qu'il le dit. Vous hein, voyez, il le dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset euh, 16 là-bas. Vous voyez, donc euh, l'évangile que Pierre a prêché, que Jacques a prêché, que Jean, euh, euh, Paul a prêché, n'était pas basé sur des fictions, sur des fables, hein, sur des histoires, des, 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 des histoires que les gens inventaient. Sur des inventions, des fictions. Non, c'était du réel. Vous voyez Et euh, alors, les pères de l'Église sont venus avec leur doctrine, avec leurs livres. Eh bien, ils ont donné naissance au christianisme. Ils ont donné naissance à l'Église romaine. Voilà pourquoi, mes amis, si vous allez chez les orthodoxes, hein, les orthodoxes, tout ça, ils fêtent les pères de l'Église. Ils ont des fêtes dédiées à ces pères de l'Église. Si vous allez chez les catholiques, ils ont des fêtes dédiées à au père de l'Église. Et si vous allez chez les protestants, les évangéliques, euh, euh, les églises indépendantes aujourd'hui, mes amis, la chrétienté actuelle, eh bien vous allez voir des doctrines qui sont vécues là-bas sur la Trinité, la dîme, euh, le bâtiment d'église, la bénédiction nuptiale, et, euh, le fonctionnement pastoral, la théologie, tout ça, euh, les enseignements avant le baptême, et, euh, toutes ces pratiques-là, eh ce sont les pères de l'Église qui les ont développées. Et ces pères de l'Église ont mis en place leurs propres traditions. Voilà pourquoi... Mes amis, euh, et, euh, le Seigneur dit dans, ma, dans Matthieu 15 aux apôtres, euh, aux juifs, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions. Je préfère suivre ce que Paul a enseigné, ce que Jacques a enseigné, ce que euh, euh, les apôtres ont enseigné, plutôt que ce que les pères de l'Église ont enseigné. Voilà. Vous ne trouverez pas le mot Trinité dans la bouche de Paul, de Jacques. Vous ne trouverez pas le mot Dîme dans la bouche de Pierre, Jacques et Jean. Ce sont eux nos modèles. Je préfère obéir. Au, à la doctrine apostolique, au fondement apostolique. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres, nous dit Ephésiens 220 et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Voilà, vous voulez quoi Suivre la parole du Seigneur ou suivre les enseignements habilement conçus par les pères de l'Église et qui sont les fondements du christianisme actuel. Allons voir, mes amis, ce que le Seigneur dit dans, Matthieu, dans Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Alors, au verset et à 6. Jésus leur répondit et leur dit Certainement, Esaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honore en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous retenez la tradition des hommes à savoir le lavage des cruches et des coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi vous rejetez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Voyez? Et au verset 13, il dit anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Voilà, et nous sommes dans Galates 1, qu'est-ce que Pierre dit? Paul dit donc voyez bien ce qui se passe aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils vont bien fait parler comme des perroquets à gauche à droite et aboyer comme des chiens. Excusez-moi, mais c'est biblique. Paul Paul dit qu'il faut prendre garde aux chiens, il faut aux faux ouvriers. Donc c'est pas moi qui le dis dans Philippiens 3. Il le dit. Donc il y en a, ce sont des chiens qui aboient hein, partout et euh, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient partout, partout. Nous sommes à la fin et euh, et parce qu'ils sont poussés par des esprits de père de l'Église. Et euh, voilà, Jésus-Christ a en, a bâti son Église. Et ce ne sont pas les pères de l'Église qui l'ont bâti. Paul dit et, euh, et euh, je m'étonne que vous vous abandonniez, que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous mêmes ou un ange du ciel vous prêche un évangile, un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, comme nous l'avons déjà dit. Je le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, c'est terrible. Hein Donc euh, un autre évangile, un autre Jésus, un autre Esprit. Voilà, l'esprit de l'égarement ou de l'erreur. Nous sommes dans Galates, toujours, chapitre premier. Nous allons plus loin au verset euh, 14. Qu'est-ce que Paul dit Et euh, verset 12, il dit au verset 13, car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la ravageais et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Vous voyez Donc Paul paraît être un zélateur, un suiveur des traditions de ses pères. Ah ah Les pères. Les pères. Ces pères étaient ceux qui l'ont enseigné la parole. Ceux qui l'avaient enseigné la parole. Voilà. Mais vous voyez que, et quand au verset 15, il dit quoi? Mais quand il a plu à Dieu qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je le prêche parmi les nations ou les gentils, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Voilà. Donc, donc on prêche Dieu une fois qu'on a reçu sa révélation. C'est ça l'évangile. On ne prêche pas Dieu parce qu'on était dans une école théologique, parce qu'on était euh, euh, je ne sais pas dans quel pays pour apprendre je ne sais pas quoi. Dieu doit te visiter chez toi et tu le prêches. C'est ça l'évangile. Et quand tu prêches comme ça, il y a la vie. Les gens sont libérés, guéris, fortifiés, encouragés. Mais quand on prêche avec des philosophies, des raisonnements, <laughs> on veut prêcher à un Dieu qu'on ne maîtrise même pas. Et euh, ben, on va parler de quoi On va parler de la dîme, on va parler des bâtiments, on va parler des bâtiments pour, comme étant l'Église, on va parler de plein, plein de choses qui n'ont aucun fondement biblique. Frères et sœurs. Suivez ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean nous ont transmis. C'est ce qu'il faut suivre. Toutes les choses qui ne sont pas écrites dans ce livre-là, eh rejetez, jetez-les. Mettez-les de côté. Et Dieu vous gardera. Au nom de Yeshua. Soyez fortifiés, soyez bénis. Je vous donne le rendez-vous demain à 20h30, heure de Paris. A bientôt. Au revoir.